petit tourbé. Ça, c'est ah, la tourbe, c'est plein de vitamines, ça, c'est sûr. Non, ouais, je m'en mets 3 suzes, Stan. Ça fuse. On va vite faire. Sophie, tu peux couper la radio, là? Je vais prendre un café avec Karim. Venez, sur scène. Et là, pourquoi tu regardes les comptoirs? Non, mais imagine. En fait, faut que tu imagines un grand bar en acajou, comme ça, au milieu du salon, un billard et deux canapés Chesterfield, tu vois, à l'anglaise, tu vois, un club, quoi, mais notre club. Bah ouais, mais ça, c'est génial. Et moi, tu vois, je sers du whisky en guépière pendant tes soirées poker. Ah non, attends. Mieux, une barre de pole dance dans la cuisine. Personne n'a jamais compris comme toi. Ça me touche, je peux pas ça. Tenez, les amoureux, c'est la mienne. Profitez-en, c'est rare. Merci. Hé, hey, Pierre. Ouais. Violette ne veut pas d'un salon berbère à la maison. Est-ce que c'est de ma faute si je suis arabe? Ah ouais. Mais bon, je t'imaginais pas comme ça, ça me fait de la peine. Bon, bah la française de souche va aller bosser, hein. Bah quoi, tu nous laisses déjà? Profites-en, j'invite. Ouais, non, mais je peux pas, là, je suis à la bourre. Je laisse Karim t'expliquer son projet de strip club. Il a peur des gens. C'est comme Dédé, là, hier, aussi. Puis toi, je te préviens, ce soir, on parle pas pied peint. C'est Pierre qui va m'expliquer que c'est tout pourri d'avoir un bar à la maison, bien sûr. Et je te préviens, jamais je banderai dans une chambre en toile de Jouy. C'est une maison bien tenue ici, calme-toi quand même. Oh, dis donc, regarde. Pas une déclaration d'enculé, ça. C'est pas plutôt toi l'enculé, hein? Donc, si, ouais. J'aime bien la petite Violette. Ça me fait plaisir de savoir que vous allez vous installer ensemble. Une tannée ce déménagement, ça fait 2 jours que j'ai pas mis un pied à l'agence. C'est cool la réclame quand même. Ça fait quoi, une semaine que t'es chef et t'en branles déjà plus une? Non, alors je vais t'expliquer. C'est directeur de création, moi. Tu vois, chef, c'est le mec qui essaie de m'empoisonner depuis 10 ans dans ta cuisine. Ouais, n'empêche que mon chef et moi, on s'est jamais fait imposer de la toile de Jouy dans notre piole. Bien joué. T'aimes bien me charrier avec elle, hein? Ça c'est ton délire. Hein? Oh. Pierre. Pierre, putain! Te fatigue pas, il bougera pas. Le temps va être figé pour toi pendant les 15 prochaines minutes. Tu dis rien? Pas de questions? Pas de crise de nerfs? Ben non, pas... Mais en fait... Ah... Je suis en train de rêver... de vous. Très bien, ça, un bavard. En général, ils mettent des plombes avant d'articuler une phrase construite. Bon, bien, je deviens dingue. Je suis très fatigué. Je suis épuisé. Et je... Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, quelqu'un? J'ai l'impression de devenir fou. Bon, on ouvre bien ces escalopes parce que dans 15 minutes, moi, je disparais pour ma répète. Alors, tu t'appelles Karim Feraoun. Tu as 37 ans, 7 mois, 5 jours, 7 heures et 12 secondes. À l'instant où tout s'est arrêté autour de toi, tu as atteint l'exacte moitié de ton existence. Pile la moitié de ta vie. Oh, je te rassure tout de suite, tu n'es pas l'élu. Arrivé à mi-parcours, chaque habitant de cette foutue planète a droit au coup du temps qui suspend son vol. Ouais, son vol.
un messager comme ton serviteur est chargé de lui annoncer la bonne nouvelle. Enfin, messager genre Dieu, par exemple, ou Elvis Presley? Fais pas le malin, hein. Elvis aussi était un messager. Ah bon? Maintenant, tu te tais. Tu m'écoutes. L'histoire, c'est qu'aujourd'hui, tu as le choix. Petit 1, tu continues de vivre ta vie, comme si de rien n'était. Ou 2, tu recommences à zéro. À ta naissance. Si tu décides de reprendre tout depuis le début, tu referas ta vie avec, gravé dans ton subconscient, des appréhensions, des impressions de déjà-vu. Tu éprouveras une sympathie immédiate quand tu rencontres quelqu'un. Ou alors, une répulsion inexplicable. Tous tes choix seront influencés. Et par conséquent, ton avenir probablement modifié. Quel que soit le choix que tu feras aujourd'hui, tu ne t'en rappelleras pas. Tu oublieras notre discussion et ta décision finale. Bon, c'est clair? T'as des questions? Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. C'est Alex. C'est mon boss. Qui est en train de me faire un gros délire de bizutage. Et qui est en train de se marrer de là où il est, là. Bravo, Alex, parce qu'en plus, se payer Dick Rivers, franchement, là, c'est respect. Hein. Ah ! Regarde. T'as un boss qui sait faire ça, toi ? Arrêter le temps pour ta pomme ? C'est quoi le truc, alors quoi, vous avez cause... C'est comme des gens, des super pouvoirs, c'est ça que vous avez ? Ni Batmobile, ni vision laser. Je me réveille chaque jour en sachant qu'à une heure bien précise, je dois me rendre à un endroit X pour rencontrer une personne Y. Et basta. Il fume ? Maintenant que le coca vole. Et autre truc, messager à vos copains, il y en a beaucoup à faire ça? Dans les plus connus, t'as Lady Gaga, Springsteen, Céline Dion. Et moi, j'ai eu Dick Rivers. Ouais, Dick Rivers. T'aurais préféré Sardou, peut-être? Non. Non, vu comme ça, non. Et donc, c'est... Alors, c'est quoi? C'est Elvis qui vous a transmis le truc, c'est ça? Non, non, moi, c'était un groupe. Ah bon? C'est les Stones? Les frères Jacques. Hé, hey, c'est pas tout ça, mais comme je te l'ai dit, il va falloir que tu te décides. Hein. T'as 10 minutes. 10 minutes pour choisir. Entre continuer sur ta lancée ou corriger ton brouillon. Et recréer l'histoire. Vous voulez que je décide un truc pareil, vêtement? Je sais pas, moi. Si tu devais changer une connerie que t'as faite, un choix débile qui t'a poursuivi pendant des années, ça serait quoi? J'y crois pas que t'aies jamais vu que ça. Monsieur Pharaon, encore un breton, notre affaire commence bien mal. 5 minutes de retard et même pas la courtoisie de vous excuser. Allez, ceinture, ceinture. Contact. Très classe, ton histoire. Donc,
À l'heure du bilan, pour toi, le plus grave, c'est de pas avoir ton permis. Je me suis fâché avec mon père juste avant sa mort. Ça va, c'est assez grave, ça, c'est bon, là, ça marche? Ça me fait penser qu'Eddie Mitchell n'a jamais eu son permis, tu sais. Ok. Alors, si j'ai bien compris. Si je revis ce moment, je vais avoir comme une espèce d'effet de déjà-vu qui fera que je vais refuser cette bouteille et du coup j'aurai le permis, c'est ça? J'ai tout de suite vu que tu étais un génie. Ok, admettons. Admettons, je le repasse, je l'ai. Comment est-ce que je suis sûr de re-rencontrer Violette, ma petite amie? Est-ce que je l'ai rencontrée dans le métro? Ben, tu sais, on sait ce qu'on perd, mais jamais ce qu'on gagne, hein. Regarde l'année dernière. Moi, j'ai changé un des enclos de mon ranch à côté de Toulouse. C'est bon ça, Bob. Finis ce putain de pavé. Viens en Angleterre avec moi, come to England, man. Parce que ton stage d'été à la con, là, dans cette agence de merde. En plus, c'était ton idée de mettre les peintures dans la rue. Viens avec moi. Cette agence de merde dont tu parles prend 2 stagiaires sur 200 candidatures, ok? C'est le top de la création graphique. Top de... En fait, ça va être top de la pub pour les lessives, man. Et faire des gribouillis avec toi, j'ai toute la vie pour ça, ok? Et puis, tu te rends pas compte de la fierté de mes parents. Ok. En fait, c'est pas toi qui choisis ça. Ouais, t'as raison. C'est eux qui m'ont choisi. C'est pourquoi? Parce que je défonce, mon pote. Et puis, qu'est-ce qui m'empêche de te rejoindre après? Je fais un peu de blé et j'arrive. Banksy, connais pas. Bon. J'ai choisi. Je sais. Je me souviendrai vraiment de rien? De rien. On se reverra plus? Oh, sauf si t'as bon goût et que tu viens à mes concerts. Ferme les yeux maintenant. Violette! Monsieur l'agent! Il fait ça pour m'éviter la fourrière, en fait. Il a pas du tout permis. Pardon, hein. On sauve tout de suite. On est vraiment désolés. Bon, allez, circulez. Te fatigue pas. Le temps va s'arrêter pour toi pendant les 15 prochaines minutes. Ouais. زمني لغايب عن حياة الفرحة